Au moment de sauver Lancelot d'une mort certaine, Noémie était loin de s'imaginer que sa vie allait virer au cauchemar dans un si grand soleil. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La vie de Noémie, Lucille Criée, est sur le point de virer au cauchemar dans un si grand soleil. Il faut dire que depuis qu'elle tente d'arrêter l'épandage des pesticides sur ses terres, Noémie s'attire les foudres de son voisin William, Olivier Cabassut, un agriculteur revêche qui lui mène la vie dure. Forcément, en découvrant que Lancelot, le cheval de William, était gravement malade et qu'il n'avait pas l'intention de le soigner, la situation a dégénéré un peu plus encore. Pour sauver Lancelot d'une mort certaine, Noémie a alors sollicité l'aide de Ludo, Folco Marchi. Ensemble, ils ont décidé d'enlever l'animal pour le soigner. Toutefois, cela ne sera pas sans conséquences. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur France 2, Ludo et Noémie vont passer à l'action. Ayant pu se procurer un van, les deux amis attendront que la nuit soit tombée pour mettre leur plan à exécution. Non loin de là, William, qui est sous, va provoquer une dispute avec Elodie, Lola Klodowski. En effet, depuis qu'il a découvert l'homosexualité de sa fille, il est prêt à tout pour l'emmener dans un centre de conversion. Au moment où il entend un cheval hennir, William va s'emparer de son fusil et se rendre sur son terrain où il tombera sur Ludo et Noémie en train d'enlever Lancelot. Même s'il les menacera d'abord de son arme, William se laissera finalement convaincre de les laisser partir avec l'animal. Tandis que Ludo et Noémie seront évidemment heureux de l'issue de leur mission de sauvetage, ils seront cependant loin de se douter que les ennuis n'ont pas encore commencé. Et pour cause, William sera retrouvé inconscient chez lui avec une plaie à la tête quelques heures plus tard. Transporté en urgence à l'hôpital, l'agriculteur sera alors plongé dans le coma dans un état critique. Si tout portera à croire que William a chuté à cause de son excès, plusieurs éléments vont venir indiquer qu'il a en réalité été victime d'une tentative d'homicide. De quoi braquer les projecteurs sur Noémie qui sera rapidement mise en cause par la police. Mais que s'est-il vraiment passé le soir du sauvetage de Lancelot? Noémie a-t-elle tenté de tuer William ou Elodie aurait-elle des choses à cacher? Le suspense est total et Hakim va certainement devoir s'employer à démontrer l'innocence de la femme qu'il aime dans la suite d'un si grand soleil.